couvée au loin par les montagnes, sous les lents nuages et la fraîcheur. Sans doute, sans doute. Vient un moment où l'aîné se couche, presque sans force. On voit de jour en jour son pas moins assuré. Il ne s'agit plus de passer comme l'eau entre les herbes. Cela ne se tourne pas. Lorsque le maître lui-même, si vite est emmené si loin, je cherche ce qui peut le suivre. Ni la lanterne des fruits, ni l'oiseau aventureux, ni la plus pure des images. Plutôt le linge et l'eau changée, la main qui veille, plutôt le cœur endurant. Comme une montagne sur nous écroulée. Pour avoir fait pareille déchirure, ce ne peut être un rêve simplement qui se dissipe. L'homme, s'il n'était qu'un nœud d'air, faudrait-il, pour le dénuer, faire si tranchant ? Bourré de larmes tous, le fou contre ce mur. Plutôt que son inconsistance, n'est-ce pas la réalité de notre vie qu'on nous apprend ? Instruit au fouet. Un simple souffle, un nœud léger de l'air, une graine échappée aux herbes folles du temps, rien qu'une voix qui volerait chantant à travers l'ombre et la lumière. S'efface-t-il ? Aucune trace de blessure. La voix tue. On dirait plutôt un instant, l'étendue apaisée, le jour plus pur. Qui sommes-nous qui faille se faire dans le sang ? Dans notre dos encore, qui éclaire la table.